sommes à l'ISTA. Je profite de l'occasion pour remercier très fortement le corps académique, le corps scientifique et surtout la coordination avec l'étudiant. Nous avons des impressions très très positives. Nous avons même les meilleures impressions positives par rapport à la tournée GCSI en termes de la planification et même en termes de partage d'idées et de connaissances. Les étudiants ont été très engagés, très attentifs et surtout très participatifs dans tout ce que nous avons eu à faire ensemble. Et le corps scientifique et même la proposition des étudiants à participer, que ce soit dans le contenu de notre conférence et même sur la forme de cette conférence. Donc nous disons d'abord un grand merci. Nous sommes positivement touchés, agréablement touchés par tout ceci. Et nous disons que nous sommes heureux parce que cet établissement public d'enseignement supérieur fait partie des établissements thématiques sur le plan technique. Et c'est important, c'était très important qu'on ait cette conférence ici pour déjà essayer de voir dans quelle mesure tous ces ingénieurs qui vont sortir ici vont pouvoir, à leur mesure, à leur niveau, par rapport à tout ce qu'ils comprennent et tout ce qu'ils apprennent, être en mesure d'être des acteurs et des artisans qui vont renverser la tendance du chômage dans la République. Nous sommes agréablement surpris, nous sommes contents des échanges et de la qualité de contenu, et surtout nous sommes contents de la participation et du retour de l'assistance. Nous avons un calendrier qui affiche 22 universités, l'ISTA est le 8e établissement que nous visitons. Déjà demain, mardi, nous sommes à l'IFASIC et le mercredi à l'ISC. Nous allons faire la restitution de toute cette tournée au Capitole de l'Hôtel de 30 juillet. C'était prévu pour le 9, mais nous serons le 30 juillet suite au réaménagement du calendrier vu les universités qui ont été un peu secouées par rapport à cette réorganisation technique liée à la troisième vague. Donc nous continuons la tournée. Nous sommes d'abord très contents de tenir cette conférence en collaboration avec le réseau international africain, avec l'Institut Symposium de travail ainsi que de l'entreprise. Il était ici question de tabler sur la thématique, comment générer 90% de l'emploi à l'espace de 5 ans. Et nous étions ensemble avec mes étudiants. Le responsable de ces mesures a explicité également avec le secrétaire général académique comment est-ce qu'on peut générer de l'emploi à l'espace de 5 ans. Parce que l'optique de cette thématique est que à la fin de notre cursus, que nous ne soyons pas le commandeur d'emploi, mais que nous soyons le créateur d'emploi.